J'en possède un. J'en possède un que Relic m'a envoyé avant la flambée des prix. Mesdames et messieurs, voici donc un display One Piece première édition, première et seule impression qu'il y aura, car ils ont annoncé donc qu'il n'y aurait pas de réimpression. Voici un display étincelle de rébellion, la première extension Star Wars Unlimited en version française. Il n'y en a plus nulle part. Les derniers exemplaires s'arrachent à des prix qui sont complètement déglingos. Et je vais ouvrir ça. Hein. Voilà. Hein. Ah, je viens de dire One Piece. Bien sûr, je voulais dire Star Wars, vous avez compris, nous sommes dans Star Trek. Tout ce qui est Stargate, c'est vraiment mon truc. Tout ce qui est Medieval Fantasy, vous savez, moi, j'aime ce type d'univers. Donc voilà. C'est bon ? C'est bon ? On peut commencer ? je crois pas qu'il y ait de catégorie... Je pense pas qu'il y ait de catégorie... Indiana Jones, voilà, on aime. Bon, on a qu'à se remettre en Just Chatting, tiens, les modos. Et d'ailleurs, je sais pas si la prédiction a été validée. Du coup, la réponse était non, on n'a pas eu la carte manga. C'est quand Zef dit à Sanji, je suis son père. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce genre de truc. Donc, très très cool, en tout cas, d'ouvrir ce display. Voilà, moi j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Alors, encore une fois, mes connaissances en Star Wars sont relativement limitées, puisque moi, bon, j'ai vu la trilogie originale à l'époque. Enfin, à l'époque, fin des années 80, début 90. Ensuite, j'avais regardé l'épisode 1, l'épisode 2, que j'avais pas trop aimé. Enfin, l'épisode 1, j'avais adoré, l'épisode 2, j'ai pas trop aimé. Et en fait, j'ai complètement décroché de Star Wars à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les spin-offs, tous les Boba Fett et autres romans Star Wars, je suis complètement passée à côté. Et voilà, mais après, ça reste un univers que j'aime bien. Donc voilà. Je vais ouvrir le... Regardez, je vais ouvrir proprement quand même le... Le... Attends. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Je garderai la boîte. Ça sera mon trophée. Non mais vous vous rendez compte que ça, c'est un putain de display qui, dans quelques années, va coûter des milliers d'euros, quoi. Et là, on va l'ouvrir, quoi. La série Andor était bien. Ah ouais ? Ah, je connais vraiment... Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a des séries aussi. Oh, bon, regardez, il s'ouvre tout seul. Je vais pouvoir le déceler directement comme ça. Ah donc, c'est rare qu'on puisse faire ça. L'ouvre pas, Stonks. Eh, si. Cette ouverture rentre dans le cadre de mon partenariat avec la boutique Relique. Donc le but, c'est bel et bien de l'ouvrir et de vous montrer ces cartes. Le but, c'est de kiffer. Mais profitez-en parce que très clairement, on va pas se mentir, il y a très peu de chances que je refasse une ouverture Star Wars, de cette extension en tout cas. Donc là, c'est probablement le seul et unique, hop, seul et unique display que j'ouvrirai. Oh, regardez, j'ai réussi à enlever le, le display relativement pas trop mal. Vous pouvez faire une prédit, aura-t-elle une carte showcase? Alors, s'il y a des gens dans le chat qui connaissent effectivement les raretés, les trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire, parce que je vous avoue que je me suis pas du tout renseigné. Et du coup, voilà quoi. Je sais même pas ce qui est vraiment. Je sais même pas c'est quoi les indices de rareté. Je connais pas grand chose. Piou piou. Un peu, mais pas grand chose. Allez, ça marche. On va faire l'ouverture en bonne et due forme. Et voilà, l'ouverture PMU de Saint-Ouen. On est dessus. Alors, les displays sont en... Enfin, les boosters sont en papier, je crois. Hein. Ah oui, c'est ça, ils sont en papier. En vrai, ce qui serait marrant, à défaut de garder le display scellé, s'il y a une... S'il y a une showcase, c'est la première carte dans le booster. En fait, ce que je devrais faire, ça serait genre garder... Il y a combien de visuels? Faudrait que je garde un booster de chaque scellé. C'est quoi? Il y en a trois? Ça sera mon petit souvenir, tu vois. Les trois boosters, 7 de base, j'en garde un de chaque, un visuel de chaque scellé. Et on ouvre tout le reste. Je pense que Relic ne m'en voudra pas trop de faire ça, a priori. Je suis collectionneuse avant tout. Il y a une rareté Hyperspace. Ouais, c'est ça, il y a trois visuels.
Eh ben écoutez, voilà, les trois premiers boosters. Ah ouais, mais alors attends, ils sont abîmés. Ah oui, mais le problème, c'est que c'est du papier, donc forcément. Hyperspace, c'est full art. D'accord. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver un qui est pas trop abîmé. Ouais, ils sont tous un peu abîmés. Bah ouais, en même temps, c'est du papier. Ce qui est une très bonne chose, en fait, hein. C'est vrai que la quantité de papier qu'on dépense. Commune, peu commune, rare, légendaire que tu peux avoir en normal, hyperspace et showcase. Ok. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient les plus clean possible. La rareté est écrite sur la carte en bas. Ok. Mais du coup, par exemple, lui, c'est qui? Ça, genre ça, bah je sais pas. Au moins là, ça sera écrit en français. Ça qui est pas mal. Star Wars. Hop, hop. L'amiral Thrawn. Ok, je connais pas. Un vieux perso qu'ils ont canonisé. On lance une prédit pour la showcase. Mais je sais même pas à quoi ça ressemble en fait. C'est ça le truc. C'est un méchant. Ok. Je m'en serais douté. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont tous des petits défauts de papier et tout. Donc en vrai. Ah, peut-être celui-là, il est peut-être un peu plus clean. Ouais, non, il a des petits bonks aussi, quoi. Ouais, compliqué, quoi. Compliqué. Attendez, attendez. Faut tout ouvrir. Ah non, non, non. Je vais en garder un de chaque. Un de chaque en version clean. Après ça, c'est les trois premiers qui sont sortis de booster. Donc bon. Je sais pas. Après le truc, c'est que pour les protéger, il me faudrait une. Il me faudrait des. Ah! Oh, attendez voir. Est-ce que je ne posséderais pas des sleeves? Sleeve booster, OMG! Alors, croyez-moi si vous me croyez, mais il se trouve que je possède des boosters, des sleeves de booster. Est-ce que ça rentre? Oh, je crois que ça rentre! Insane. Insane in a membrane. Il se trouve que j'en possède. Putain, et en plus, c'est même pas moi qui les ai commandés. Récemment, j'avais fait une commande, c'était il y a quelques mois, une commande de cartes à l'unité Pokémon. Et je crois que le vendeur m'a mis, je devais en avoir pour plus de 100 €. Et le mec m'a mis une pochette de trucs comme ça, quoi. Tu veux faire la même avec les autres TCG? Non, 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 parce que les autres TCG, en fait, je garde toujours un booster vide. Mais là, c'est vraiment le côté first print et tout que je trouve marrant. Comme j'ai quand même craqué le display, je me dis je vais au moins garder ça. Allez, je vais prendre celui-là. Il me paraît un peu plus clean. Donc c'est quoi? Je le mets comme ça. Dans l'autre sens peut-être. J'ai l'impression d'être en train de dealer de la drogue. Au secours! C'est à la rêve des sleeves. C'est écrit quoi? Ah ouais, c'est écrit dessus, ouais. Ça vient d'un magasin qui s'appelle tcgcase.de. Voilà. Je pense que ça devait être une commande Card Market que j'avais dû faire. À mon avis, vous tapez ça sur Google, TCG Case. Après, il y a très probablement plusieurs marques. À mon avis, Ultra Pro, ils en font aussi, hein. Ah, c'est tellement perfect! Oh, c'est trop cool. Et après, je le ferme, c'est ça? Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Attends. Comme ça, là. Et voilà. Oh là là, trop bien. Le booster protégé. T'as pas 25 grammes de booster, ouais. J'avoue. Donc ensuite, on va prendre quoi? On va prendre celui-là, là. Je
Je sais pas. Ouais, ils ont toutes des petites marques. Mais c'est vrai que celui-là a pas mal de petites marques en haut, là. C'est ça qui m'emmerdait un peu. Peut-être que celui-là, on a moins. Ouais, non, là, il y en a, mais là, il n'y en a pas en bas. Ouais, c'est kiff kiff. Hein. Vas-y, on va pas s'emmerder. C'est vraiment histoire de garder un booster de chaque. Comme ça vous permet de voir un aspect de la collection de cartes que... Enfin, non, c'est l'inverse. Que vous ignorez peut-être. C'est vraiment... C'est pas tant posséder des objets, c'est comment bien les conserver à travers le temps. Et ça, mine de rien, quand vous faites de la collection, quelle qu'elle soit, hein, pas que de cartes. Moi, j'ai fait pendant longtemps des collections de pièces et de billets de banque. Et c'est pareil, hein, la méthodologie de protection, c'est extrêmement important quand vous faites de la collection. Ça vieillit bien ce genre. Comment ça vieillit ce genre d'emballage? C'est ça la question. Bon, ça vieillit, c'est-à-dire que c'est du plastique, quoi. Hein. Quand vous achetez des cases en acrylique, la plupart du temps, il y a une protection solaire. Ils disent toujours 99,9 des rayons UV. Après, il faut juste pas. C'est pas parce qu'ils sont dans un blister qu'il faut les mettre dans une cave humide, par exemple. Après. En vrai, quand vous mettez une double ou triple protection, là, tu vois, le booster est en papier, donc je pense qu'il vaut mieux, effectivement, le protéger, quoi. Mais moi, je sais que dans ma cave, j'ai mis quelques albums, parce que les binders, en fait, les albums, tu vois, ils sont, une fois qu'ils sont zippés, si tu as des cartes qui sont sous blister... À l'intérieur, en vrai, ça suffit quoi. Oh putain, je suis en train de le foutre n'importe comment. Aucun respect. Allez, c'est bon, on les a. C'est quoi le nom de ces sleeves? Bah, y a pas vraiment de nom en fait, hein. C'est marqué sleeve booster. Voilà, sleeve booster. Vous mettez card sleeve booster, à mon avis. Les trois boosters, set de base, édition 1 en version française. Ah, tu vois, et là par exemple, une fois que t'as ça, en vrai, ça reste fragile. Donc où est-ce que tu les mets? Tu vois, c'est des vraies problématiques. Hein. Je vais mettre ça là pour l'instant. Je verrai ce que je fais après. Bon, c'est bon. J'ai arrêté de vous faire chier avec ma, avec mon, ma volonté absolue de tout bien conserver. Tous les papiers finissent par virer au jaune au soleil. Oui, au soleil, oui. Bah, de toute façon, une collection, quelle qu'elle soit. Faut pas mettre ça au soleil, quoi. Allez, on va commencer par elle. C'est la princesse Leia, c'est ça? Je crois que je connais. Hein. Semble, hein. C'est que la version française qui est introuvable. Non, c'est pas forcément qu'elle est introuvable. C'est que ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de réédition, de réimpression. Donc en fait, ça se trouve encore, mais bah, ça va être de plus en plus cher, quoi. C'est juste ça, quoi. Ok, alors, comment ça marche? Comment ça se lit? Qu'est-ce que quoi? J'en ai aucune idée. Impérial Soldat. Alors attends, comment c'est présenté? Je découvre complètement. Donc là, il y a la numérotation. 252 cartes? Il y a un verso. Ah ouais? Iden Versio, commandante de l'escouade Inferno. Donc ça c'est l'artiste, le copyright, SOR. Ah oui, R. R pour rare du coup, c'est ça? Carte leader. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Tour de l'administrateur. Ah oui, C comme commune, d'accord. Donc en fait, c'est quoi? C'est des dessins ou est-ce que des fois il y a des captures du film, enfin des films ou quoi? J'en ai aucune idée. Lieutenant de flotte. S'il y a tout l'univers étendu, ça va être long. Oh bah là, de toute façon, vu comment ça fonctionne, je pense que là ils sont partis pour faire pas mal de pas mal d'extensions a priori. Milice du domaine. C'est que des dessins. Ah ouais, ok. Chasseur taille. De la guilde minière.
C'est que de l'original, d'accord. Chasseur de tête de la bordure extérieure. Ah, ils sont stylés quand même, les vaisseaux. Lieutenant Snowtrooper. Force de sécurité consulaire. Donc ça, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Mais... En fait, c'est quoi? C'est une sorte de version borderless? La numérotation... Ah oui, d'accord, la numérotation est différente. Vous voyez, la classique 46 sur 252. Et là, pourtant, c'est écrit 312. Ah ouais, ok. Ah, donc c'est ça qu'ils appellent les cartes hyperspace. D'accord. Les borderless, c'est des hyperspace. Ok, ok. Gotcha, gotcha. Et ça, c'est dans chaque booster? Je sais pas. Ça, c'est une peu commune. Lieutenant Chilson. Chef d'escadrille. Unité terrestre. Donc ça, c'est une rare. Ok. Ça, c'est une rare hyperspace. Hyperspace, c'est ça? Lando Calrissian. Je me souviens pas du tout. Normal, normal foil, hyperspace, hyperspace foil. Ok. Lis dans ton cœur. Fort bien. Ah oui, d'accord. Donc en fait, dans chaque booster, il y a une foil. Ok. Protecteur. C'est le méchant de l'épisode 5. Ah ouais? Je me souviens tellement pas. Je vais les mettre là. Mais est-ce qu'on a un Chewbacca Full Art? C'est ça la vraie question. La question que tout le monde se pose. A-t-on un Chewbacca Full Art? Donc la première, c'est toujours une carte leader, c'est ça? Sabine Wren, révolutionnaire galvanisée. Ok. Et là... Ok, donc ça, c'est la même illustration, d'accord. Étoile noire. Ouais, non, en fait, il y a une carte leader, un terrain. Après, il y a toutes les cartes classiques. Il y a genre 10 communes. Carte d'honneur. Agitateur de Jedha. Je connais aucun personnage. Snowspeeder. Trop la classe. Tellement la classe, putain, c'est trop cool. Récupérateur Jawa. Chasseur Tainwagon, bien ça on l'a dit tout à l'heure. Lieutenant. Sympathisant locaux. Donc, chaque carte commune existe en version hyperspace et en version foil. Ah oui, d'accord. Mais c'est un délire alors. Enfin, le Master Set, c'est. Ça n'a aucun sens. Assaut rebelle. Le cinquième frère. Général Krell. Tacticien cruel. Ouais, Master 7, ouais. Je comprends mieux pourquoi Shishayu a acheté 10 displays. Et le chasseur de tête en foil. 4. Donc chaque carte existe en 4 versions. Ouais, ok, ouais. Sacré délire, hein. Bah tiens, les boosters. Booster vite, je vais les laisser là. Combien de binders pour le Master Set? Beaucoup, probablement. Moi, je salue quand même l'initiative de faire enfin des boosters en papier, quoi. Chose que Magic fait de temps en temps. En fait, ouais, Pokémon x3, mais c'est quasiment comme si... ouais, genre ça, c'est une carte leader, leader hyperspace, quoi, c'est ça. Ah ouais, ok. Bah, ouais, il y a des séries Magic qui sont comme ça. Hein. Ah non, sympathisant. Formation de l'Académie. Instant de quiétude.
Ouais, je trouve que les illustrations sont pas mal. C'est assez inégal, en fait. Par contre, le framing est cool, quoi. Tu vois, les cadres et tout. C'est pas mal, quoi. Pour une première extension, je trouve ça relativement joli. Après, je trouve ça étonnant d'avoir mis que des... Enfin, sachant que l'univers visuel est quand même très travaillé, je trouve ça assez étonnant de pas avoir mis du tout de... Enfin, vraiment aucun screenshot du film. Ou je sais pas, par exemple, des images qui viendraient de la... Des images qui viendraient, par exemple, des storyboards ou des trucs comme ça, tu vois, ça aurait pu être des pistes intéressantes. Donc là, on n'a pas de carte foil. Ah si, il y en a une. Dévotion. C'est le même set que Shishayu a ouvert récemment. Ouais, bah c'est le seul set qui est sorti pour l'instant. Hein. C'est vraiment la première extension de ce nouveau TCG, ouais. Ah ouais, il n'y en a pas d'autres. L'ensemble est assez cohérent. Il y avait Star Wars Destiny où c'était plus réaliste. Ah d'accord. C'était un autre TCG. Ah ben Chewbacca. Il a quand même une drôle de tête ce Chewbacca. Hein. Enfin c'est pas pour dire. Je suis pas là pour juger bien sûr. Mais Catacombe de Cadera. Je me souviens tellement plus du tout des films. Faudrait que je me retape l'ancienne trilogie un jour. Le jour où j'aurai une télé 4K. Je rachèterai tous les films Star Wars là, en Blu-ray. Équipe de chasseurs de primes. Le pire, c'est que j'ai un bon souvenir des films, sauf l'épisode 2 que j'avais trouvé un peu long, un peu trop politique aussi. Étranglement de force. Ah, lui, je le connais, c'est Dark Vador. Peu commune. Ouais, le framing est intéressant. En plus, avec l'image en dessous, ça change quoi. La vraie trilogie n'est plus dispo. Oh, ils ont dû sortir des versions remake. Ils ont pas sorti des versions remake 4K, je sais pas quoi. Upscalé et compagnie, là. Oh, je pense, quand même. Remaster, quoi. Oui, bien sûr, les films tels qu'ils étaient originellement parlant, ils ont été perdus. Mais en 4K, je sais pas. Ah ouais. Eh ben, je les regarderai sur ma télé 4K, quand même. Je rêve d'avoir une télé 4K. J'ai l'impression que tout le monde en a, sauf moi. Quoi. C'est assez bluffant, le remaster. Okay. Leia, la princesse Leia. J'aimais bien l'actrice à l'époque. Pourquoi pas 8K ? Bon, je sais pas. C'est un peu useless, non ? Je sais pas. Dagobah. Dagobah, c'est un groupe de... C'est un groupe de métal, ça. Compétence d'infiltrateur. Version originale sur VHS, enregistrement de Canal J. Oh putain! Oh la vache! Ah ouais. Avec des pubs pour un 3615 bac. Retrouve les résultats du bac. Canonnière Liberator Ozituck. Ok. Projection de force. Embrouille. Ah non, pas des embrouilles, hein. Je vais faire une suite. Prison Please, embrouille. Plutôt l'inverse. Une ouverture de Divorced Dad. Très très drôle. Ah ouais, je connais ce truc, je l'ai vu passer sur TikTok. Jabba le Hutt. Ah lui, je me souviens des scènes. Je me souviens des scènes de Jabba le Hutt. Jabba le Pizza Hutt. Frappe juste, tactique. D'ailleurs, si vous êtes sur Toulouse, n'hésitez pas à passer à la boutique Relique. Ils organisent des tournois régulièrement de Magic, Pokémon, Flesh and Blood, Star Wars. Enfin, ils organisent un peu tout, en fait. One Piece aussi. Pas mal déçu par le dessin. Le dessin de... Ah, tout court, tu veux dire ? La carte était immonde. Ouais. Le bikini en métal. Non, ah oui, la scène avec Jabba le Hutt. Ouais. Qu'on avait revu un peu dans Lego Star Wars, qui était plutôt bon. Hein. L'empereur Palpatine.
cérémonie de remise des médailles. Oh, voilà, les designs sont old school. Hein. Short Trooper chevronné. Carte Saint Seiya, ouais, c'était au début du stream. Hein. Tu peux checker la VOD. Elle est dispo. Défendeur de la 7ème flotte. TLTT frontalier. Oh, c'est marrant, j'ai vraiment des extraits, mais alors lointains dans ma tête des films. Compartiment de contrebande. Attendez, quelle heure il est ? Ah ouais, ça va. Il n'y a pas de talk du dimanche, bien sûr, parce que toute l'équipe de Fibre Tigre sont à l'événement Furax. Donc, on fera un raid tout à l'heure, mais du coup, il n'y a pas de talk du dimanche. Raid 3, inarrêtable. C'est le X-Wing, c'est ça ? X-Wing rare. Elles sont déjà à plus de 100K. Tu parles de cas... Ah oui, non, Furax, je crois que tu parlais des cartes. Ouais, ouais, les 100K ont été passés au début de l'après-midi, je crois. Moi, je vois bien un petit 150K. Ouais. Je sais pas pourquoi, je le vois bien. Recrutement, la carte pour Helldivers 2. Ah oui. Moff Tarkin. Ouais, faudrait vraiment que je m'achète les Blu-ray... Les Blu-ray de la série. Ouais. Réflexe instantané. Mais ça, c'est des visuels qu'il n'y avait pas dans les vieux films, ça. Insurgé de Lothal. Mort, il ne me sert à rien. Et c'est quoi les taux de drop, alors ? Raider impitoyable. Tarkin Town. Ouvrir un passage, c'est joli ça. Ah oui, donc ça c'est une hyperspace foil. Oh la vache, ah ouais, ok, ouais. N'oublie pas la série sur Disney+. Ouais, ouais, déjà je regarderai les films, ça serait déjà pas mal. Ouais, donc chaque carte commune existe en hyperspace foil. Et B, t'en es pas rendu, hein. C'est dans Rogue One. Il y a tellement de films, je suis tellement perdu, moi. Où trouver les displays ou boosters? La plupart des boutiques sont en rupture. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça le sera de plus en plus. Hein. Faut checker s'il y a. S'il y a des. Sur le marché de l'occasion, quoi. Mais tu risques de payer très, très cher. Et ouais, malheureusement, ça va être compliqué. Et ça le sera de plus en plus. Salut, Relique. J'en ai ouvert depuis pas si longtemps que ça. Donc, non, je crois pas avoir tiré de dinguerie pour l'instant. À part quelques cartes rares ici et là, quoi. En fait, je connais pas du tout les indices de rareté et tout. Donc, je découvre complètement. On nous a dit quoi tout à l'heure? Si tu vois un L bleu en bas, c'est bien. Un L bleu en bas. Ok. Gotcha, gotcha. 111 000 euros. L'année dernière, elles avaient fait 65 000, je crois. Je pense que là, sachant que là, on est en début de soirée, il est pas 18h. Ouais, ouais, 150 000, elles vont l'atteindre. Sans souci. On fera un raid sur le compte principal. Enfin, si jamais il est en live d'ici une petite demi-heure, je pense qu'on fera un raid chez eux. Wedge Anti, star de la rébellion. Et tu vois, là, par exemple, j'aime bien l'illustration parce qu'elle fait... Il y a ce côté bande dessinée vraiment vintage. C'est pas mal. Hein. C'est moi. Ah ouais, putain, c'est, c'est ton pseudo. J'aime bien le mec dans le chat qui arrive et qui dit « Ah, c'est moi !» Ah bah oui, effectivement. Tu nous as pas menti sur ce coup-là. Salut, c'est à votre service. Ça, c'est une rare, ok. Ezra Bridger. Ok. Intéressant, intéressant. Alors, Relique, si vous êtes encore là, j'ai un truc à vous avouer. Les tone drops sur leur site, c'est plutôt bien fait. Sur le site officiel de Star Wars Unlimited? C'est pas mal. Hein. Tous les TCG le font pas, quoi.
Donc ça, c'est une carte leader rare en hyperspace. Et donc la même, exactement la même, existe en version foil. Mais du coup, foil recto verso. Ok, d'accord. Ah bah bon courage pour les master setters. C'est quoi la musique? C'est Morrigan et Lily. À tout moment, tu peux appuyer sur... Enfin, tu peux taper point d'exclamation musique dans le chat pour avoir le... Pour avoir le nom du son. Défendeur de la 7e flotte, c'est classe ça aussi. Zeb Aurelio. C'est une showcase dans ce cas et le graphisme est différent. D'accord. Général Virs. Pouvoir du côté obscur. Il y a quand même pas mal de cartes avec Dark Vador, c'est bien. Bombardement, une rare. Laboratoire de conversion d'énergie. Rare foil. Que pour les leaders, d'accord. Ça, c'est une bonne carte, ça. Très bien. Ah oui, relique, je voulais juste vous dire un truc. Je me suis permise de faire un truc. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Donc, le display, je l'ai craqué. Voilà, on est en train de l'ouvrir. C'est la teuf et tout. Je me suis permise de faire un truc. C'est que j'ai gardé un booster de chaque que j'ai mis blister de booster. J'espère que vous m'en voulez pas, mais je me suis dit au moins je garde ça en scellé de la première extension machin quoi. À défaut d'avoir gardé le display tel quel, j'ai craqué le display, mais j'ai quand même gardé un booster scellé de chaque. Voilà, je me suis permise de faire ça. Je tenais juste à vous le dire. Voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est bon en visuel. Bah ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Toc. Même si, bien sûr, d'un point de vue rentabilité, il aurait fallu que je mette le display sous cloche et que je le revende à Logan Paul dans 30 ans. Mais bon, j'avais un peu la flemme. Je dois vous l'avouer. C'est qui, c'est Flyhome, là, en plus? J'espère que tu vas bien. Il y avait tournoi aujourd'hui. Et d'ailleurs, ouais... J'en parlais tout à l'heure. Vous en faites, vous, des tournois Star Wars en boutique? Toujours le seul unique, ça marche. Ce manque d'ambition. Oh bah excuse-moi, oui. Vous avez commencé les tournois. Ok, cool. C'est quoi, vous en faites une fois par semaine, un truc comme ça? Garde gamoréen. Chasseur, contrebandier... Marcheur de renfort. Comment ça s'appelle déjà ces trucs-là? C'est les... Je sais plus les noms. Une fois par semaine? D'accord. Comment ils s'appellent ceux-là, là, ceux qui se déplacent à quatre pattes, là? Il y a même un Lego qui sont sortis. C'est pas les AT... Oui, c'est ça, c'est les AT-AT. Voilà, c'est ça, ouais. TBTT? Non, c'était autre chose, ça. Les Dogo. Exactement. La septième sœur. Comment va-t-elle? Bon, elle va bien. Hein. Les Dogo. TBTT, c'est en français. Ah, ok. La TNT. Pas confondre avec IDNT. Chewbacca. Oh, j'aime pas sa tête, hein. Il fait peur. Capital City. Résilient. Stormtrooper. Formation de l'académie. Ah, ça c'est la fameuse scène. Je veux dire une connerie, je crois que c'est dans l'épisode 3. Enfin, c'est dans le retour du Jedi, du coup. Où il y a la course dans la forêt, là. D'ailleurs, il y a une version arcade de qui montre cette scène-là où tu contrôles vraiment le vaisseau. Sur Andorre. Oui, si, c'est ça. Ça, c'est un des rares souvenirs que j'ai, mais c'était une de mes scènes préférées de l'ancienne trilogie. Très clairement. Qui n'est pas sans rappeler, d'ailleurs, la scène de poursuite à la fin de... Metal Gear Solid 3, d'ailleurs. Chimerae. Brute de la pègre.
Pourquoi il n'y a rien d'écrit là? Je sais pas. C'est sur la planète des Ewoks. Ah ouais. Bon, et du coup, relique là, parce que la question a été beaucoup posée dans le chat, vous n'allez pas en réavoir à un moment donné. Il ne vous reste pas des stocks quelque part de Star Wars Unlimited là? Parce qu'il y avait des gens qui disaient dans le chat, mais, mais comment on fait pour en acheter? Du coup, là, on est d'accord que là, c'est déjà baisé. Enfin, c'est plus possible, quoi. Il n'y avait pas un L bleu sur l'avant-dernière? Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Hein. Sur celle-là? Ah non, non. Non, à mon avis, ça doit être sur le... Ça doit être à la place du R. Castro City, acheteur de Jedha. Ah oui, c'est le sigle au milieu qui t'a fait croire. Stormtrooper de l'étoile noire. Blaster lourd rifté. On se croirait dans les menus de Armored Core. La force est avec moi. Wolfie. Et le force de sécurité consulaire. Alors, relique qui bégaye malheureusement. Dès qu'on leur demande où sont les stocks. Ils ont un coffret de cartes rares et ils nagent dedans comme Picsou. Qui ça, relique? Ah bah relique, quoi, ils ont du matos. Hein. Je suis toujours jamais allé dans leur boutique d'ailleurs. Un jour je le ferai. Here we go again. Here we go again. Merci beaucoup, super tartiflette, pour le 21e mois. Stocké dans le coffre-fort. Ouais, tu m'étonnes. Cargo corélien. C'est stylé, c'est ça qui existe en version Lego. Je crois que c'est un des sets les plus, qui a le plus de pièces qui existent. Attaque surprise. Donc ça, c'est une hyperspace. Cri de ralliement, ghost, compartiment de contrebande, laboratoire de conversion d'énergie. En tout cas, les boosters, ils sont bien garnis. Hein. Équipe de chasseurs de primes. Moi, je proposerais à Shishayu si jamais il lui en manque. À mon avis, même en 10 displays, il doit lui en manquer beaucoup. Je verrai si je peux lui filer des trucs, quoi. Je l'ai dans ma table basse vitrée. Ah ouais, c'est cool ça. Gros Lego à 5000 pièces, c'est bien. Cargo corélien. Mais pas le même modèle, c'est le... Ah oui, le Faucon Millennium. Oui, je me souviens de ce terme. Manque peut-être une foil en plus façon Pokémon. Ouais. Bah encore une fois, pour une première extension, je trouve que ça envoie pas mal quand même. Pierre Abra de la... Ah oui, de la Cantina. La fameuse musique de la Cantina. Vampa. Tiens, d'ailleurs, Vanda, il m'a toujours pas répondu, là. C'est con, parce que là, le temps passe. Il faudrait vraiment que je fasse ma config avant cet été. Faut que je passe par quelqu'un d'autre. Showcase, c'est 1 sur 12 displays. Ah ouais! 1 sur 12 displays, putain la vache, c'est chaud. Ouais, donc c'est comme les... c'est comme les cartes... c'est comme les cartes manga dans One Piece. Non, carte manga, c'est un display sur 25, je crois. Donc, ouais, c'est... Si on en a une là, sachant en plus que j'ai gardé 3 boosters sous blister... Pire que les enchantés de Lorcana. Lorcana, les enchantés, c'est quoi? C'est 1 sur 10? Non, c'est pas ça. Tout. 1 sur 4? Ah ouais, ok. Besoin de quelqu'un pour ta config. Oh non, non, mais c'est bon, j'ai d'autres contacts. C'est juste que là, j'ai deux. En gros, j'ai 2 PC à faire. Pour remplacer mon setup actuel.
Mais c'est des setups extrêmement particuliers que j'utilise. Donc, Ah ! Ça, je crois que c'est rare, ça. Là, il y a un L bleu. Je crois que c'est bien. Home One. Ça, alors ça, on m'a dit que c'était bien. Hein. Home One. Vaisseau amiral de l'Alliance. Ça, théoriquement, c'est rare. C'est une carte légendaire, d'accord. Mais c'est pas une showcase. C'est une légendaire, d'accord. Et le dessin est bien en plus, ouais. Et en dessous, on a une Hyperspace Foil. Elle est jolie celle-là, remarque. Hein. La showcase, elle est à la place du leader. Ah oui, d'accord, donc c'est la première carte éventuellement. Combien il m'en reste ? Il m'en reste 6. Il m'en reste 6. Boba Fett. Boba Fett, c'est qui ? C'est le chasseur de primes, c'est ça ? Je crois que vous m'aviez expliqué la dernière fois, mais j'ai déjà oublié, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est un chasseur de primes. Je crois que quelqu'un me l'avait dit la dernière fois. Frapper juste. Droïde chirurgien. TRTT. Ouais, bah j'espère que tu les as pris. Putain, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul et les moins de 25 ans peuvent même pas comprendre cette blague. C'est vraiment... C'est... Faut pas se demander pourquoi je bite sur Twitch. Hein. Mon mot m'a... Aucun Jedi n'est sorti. Ah, c'est vrai, on n'a pas une Jedi, ouais. Ah, le Yoda ! Ah, bah il est moche. La blague ne marche pas au Canada. Ah ouais ? Aïe, aïe, aïe. Bah, le Yoda, mais il est pas très classe. Hein. Ah, bah tiens, une autre légendaire. Tir de super laser. Hop, et en dessous, on a l'agent Calus. Comment va-t-il ? Bon, je suis sûr qu'il va très bien. Toum, touloulum. Je crois que l'OST de FTL, ouvrir des cartes de collection Star Wars en écoutant l'OST de FTL, c'est quand même... À quand le TCG Spaceballs ? Spaceballs ? Je connais pas. Il y a tellement de cartes, ça paraît trop pour un premier set. Ouais, après, c'est la licence Star Wars. Hein. Il y a tellement de fans. Bon, ça, on les a eus. Hein. Ravitaillement. Ah, le swoop de course. Il n'y a pas de carte avec les pods de Star Wars épisode 1. J'étais tellement fan de ce film. C'était ma première recherche Google de ma vie. C'était une recherche pour savoir s'il y avait des produits dérivés de Star Wars épisode 1 qui allaient sortir. Genre des posters, des figurines, des trucs comme ça, quoi. Voilà. C'est littéralement ma première recherche Google de ma vie. Ça devait être quand les rumeurs du film épisode 1 sont sorties, qu'il y avait les premiers visuels sur le sabre à trois rayons, là. Ça devait être en 97, 18, un truc comme ça. Environ. Merci Mopajo, merci beaucoup. Bon, j'ai presque fini, là il reste encore 4 boosters. 4 boosters, après on va se dire au revoir et puis on va checker un peu ce que je vais faire ouais, semaine prochaine et puis on va raid la chaîne principale de Furax, je pense. Le sabre à 3 rayons, c'est le 7. Dans le 1, c'est seulement 2 lames.
Bah celui que Dark Maul, il a, là. Ah oui, non, exact, oui. Ah oui, non, c'est ça, oui, non, le rouge. C'est le sabre rouge à deux lames. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas celui en forme d'étoile. Tu as totalement raison. Le A-Wing. Argent du BSI, pardon. Retranché. Bosque. Une autre légendaire. Il y a quand même au moins 3 légendaires par... Mais si ça se trouve dans les... Si ça se trouve dans les boosters que j'ai mis sous scellé là... Si ça se trouve, il y avait une dinguerie. Si ça se trouve, il y avait le truc que tout le monde aurait voulu que j'aie. Alors, attendez, il faut juste que je fasse un petit refil de Perfect Fit. Juste les foils que j'ai. Allez, il m'en reste que 3. Imagine, dans les boosters scellés, il y a la carte de l'anneau unique. Trunks. Eh ben non, pas possible, car elle a été trouvée. Et elle a été rachetée par... comment il s'appelle, le rappeur, là? Freeze Corleone. Si ça se trouve, il y a une... Post Malone. Freeze Corleone. Post Malone, voilà, c'est pareil. C'est pas... Don Capone ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est bon. J'ai la ref. X-Wing, Don Corleone, exactement. Merci Scoil pour le 64e mois. Ouvrir le feu. Fumée et cendre. Étranglement de force. Dark Vador en version foil. C'est cool ça. Ça n'a pas l'air si rare que ça, mais c'est cool. Allez, il m'en reste deux. Deux. Donc ouais, demain, on va streamer l'après-midi. Je vais lancer vers 13h et à 14h exactement, on testera la version définitive de Children of the Sun, un jeu indé édité par Devolver, qui est un jeu d'action réflexion où il faut contrôler une balle d'un fusil de sniper. Un jeu dont on avait testé la démo jouable il y a quelques mois. Et c'était un gros coup de cœur de ma part. Je trouvais que le jeu était incroyablement bien pensé. Pas facile, mais vraiment très très cool, quoi. Les mystérieuses cités d'or. Ouais, ça doit être ça, hein. Je crois que le background est très très deep en plus, hein. Il me semble que c'est une critique bien acide de la... Des... comment dire... Des sectes. C'est... ouais, c'est assez... 18 plus, hein, comme jeu. Children of the Sun, ouais. Donc du coup, oui, demain, on lancera à 13h et j'ai un call très important à 19h, donc il faudra qu'à 18h environ, j'arrête le stream. Donc en gros, demain, le stream, c'est 13h-18h. Ce qui, pour un lundi, est probablement le pire horaire à faire, mais voilà, il y aura du monde à partir de 17h30. Et à 18h, du coup, je couperai le stream. Allez, c'est l'ultime booster du jour. On n'aura pas eu Princesse Leia, là, je crois. Ah si, on l'a eu au début. On n'aura pas eu Skywalker, la truc. Tchouk, Fire Spray de fête. Et la dernière foil, le bras de fer ou fier à bras de la Cantina. Et ben voilà pour cette ouverture Star Wars Unlimited. Première édition de la première extension. Donc ouais, ça c'est toutes les foils qu'on a eues. Je les ai slivées. Les légendaires, on en a eu 3.
Celle-ci. Celle-ci est vraiment cool. Hein. Voilà. Et ben voilà à quoi ça ressemble. Bon, je sais pas, vous en pensez quoi alors? Je pense que c'est quand même très destiné aux gens qui connaissent bien la série. Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de films qui soient représentés, un petit peu comme les multi-arcs qu'il y a dans le TCG One Piece, c'est vrai que forcément ça s'adresse aux gens qui connaissent. Après, visuellement, je trouve ça pas mal. C'est mieux que l'Orcana. Évidemment, c'est quand même un cran au-dessous des Magic et autres Pokémon ou même One Piece. Mais bon, je trouve que pour une première édition, enfin pour une première extension, je trouve que c'est plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt cool. Imagine, il y a la showcase dans les boosters gradés. Ah ben, on ne saura jamais. On ne saura jamais, parce que je vais les garder. Regardez, j'ai même réussi à bien... j'ai gardé tous mes boosters vides, là. Ils sont tous bien remis dedans. Je vais refermer la boîte. Voilà. Poc. Ah, le trophée, quoi. Encore une merdouille qui pèse que dalle et qui va me prendre de la place. Qui va finir scellé dans ma cave. Notamment. C'était top, perso, j'adore les dessins des cartes. Ah ouais? Bon, bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Non, mais l'ouverture Saint Seiya, c'était très impressionnant. J'ai trouvé ça vraiment trop bien. Je pense qu'à l'avenir, j'essaierai de toper d'autres séries donc du TCG Kaio. Voilà. C'était une ouverture de carte. Pas mal, non? Grâce à Relique. Point d'exclamation Relique dans le chat. Donc n'oubliez pas que vous avez un code promo qui est valide jusqu'à mardi minuit. 5% sur toute votre commande si jamais vous voulez craquer. Puis voilà quoi. La S1 de Saint Seiya, c'était à l'occasion. Alors oui, mais le truc c'est qu'elle est sortie il y a plus de 6 mois. Donc où est-ce que tu l'achèterais? Je vais demander à Relique s'ils ont des contacts peut-être, mais je sais pas trop où acheter ça en fait. Du caillou. Enfin si, vous me disiez sur... Il y a des sites chinois qui en ont, c'est ça? Putain, c'est un vrai bordel par terre encore une fois. Au secours! Au secours, au secours. Ouais, c'était chouette, hein. C'était chouette, c'était chouette. C'était bien, c'était une ouverture qui changeait un peu d'habitude. J'aime bien les fois où on ouvre tout sauf du Pokémon. Ça nous permet de changer un petit peu de nos repères et tout, quoi. Encore raté la poubelle. Si, mais le problème, c'est que là, la poubelle... En fait, les displays Saint Seiya étaient tellement volumineux que du coup, ils ont pris toute la place dans la poubelle. Donc après, les autres boosters par-dessus, ils ont rebondi, quoi. Là, le sol, c'est un charnier, quoi. Franchement, quoi. Bravo, quoi. Il y en a un peu partout, du S1 Saint Seiya. Ah ouais, mais quel site par exemple? Grande Anime Card. Ok, ah ouais, Grande Anime Card. Et c'est legit ça comme site web? Je vais garder ça dans un coin. Grande Anime Card. Ok. Je vais mettre ça dans un coin. Carte Magic, j'en fais de moins en moins parce qu'en fait, ils ont arrêté de m'envoyer les press kits. Et les derniers univers représentés, je suis moins fan en fait. Donc. Alors attendez, extension. Ajouter aux favoris, voilà. Je regarderai ça de mon côté. J'ai commandé 5 displays dessus, j'ai un problème. Ouais, ok, ouais, ça peut être une solution. Je demanderai quand même à Relique s'ils ont des plans pour avoir, pour faire de l'import, quoi. Et puis, et puis voilà, quoi. Bon petit stream de teucar en toncar. Ah, mais du coup, j'ai pas gardé les boosters vides. Ah, mais non, je les ai refoutus dans la boîte. Ok, non, mais c'est bon, en fait. Donc ça, et puis voilà, quoi. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce live. Un live de cartes avec un peu moins de monde que d'habitude, bien sûr, c'est normal. Il y a un très très gros événement qui a lieu
en ce moment même, et justement, bah, je vais vous y mener, c'est l'événement qui s'appelle Furax, hein, du coup, qui est donc un marathon caritatif de 3 jours, enfin 2 jours et 2 jours, enfin 2 jours et demi, on va dire, un truc comme ça, avec donc pour but de récupérer des dons pour une association qui travaille et lutte contre le cyberharcèlement et les violences sexistes et sexuelles, je crois, c'est ça le nom complet. Donc, bah regardez, il y a le monsieur MV qui est là. Attendez, je vais faire un petit refresh quand même. Je découvre le speedrun de Céleste. Ah mais oui, putain, c'est vrai, tout le monde va commencer à train la Zilane. Ah, ça va être incroyable. Kenny aussi là-dessus. Ah oui, mais Margot aussi. Oh là là, c'est incroyable. Tout le monde va se remettre à jouer à Trials. Tout le monde va jouer à Céleste. Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, et ben du coup, la chaîne Furax officielle, c'est là, hein. 19 minutes. Ah bah j'ai l'impression qu'ils viennent de lancer. Bon bah c'est parfait. Oui, à mon avis, ils viennent de lancer pour faire la soirée. Très bien. Et bah écoutez, je vous laisse sur la page principale. On est Furax. Quoique, remarque... Ouais. C'est vrai que comme il n'y a personne... Attends, dans événements spéciaux... Bon, MV, on va peut-être s'abstenir de le raid. Tégédégédé. Orti, c'est pareil. Les gens qui ont beaucoup de viewers, là. Charlie Danger, putain, mais il y a Charlie Danger. Non, mais il y a littéralement tout le monde sauf moi à cet événement. Oh là, je le vis bien, hein, mais bon, j'aurais pu avoir un truc à dire. Alors, Bacabou, mais je connais moins ces gens-là. Moi, Casti, moi, Cast, je connais. Vasectomie, je connais pas. C'était une pause talk après un talk avec Valérie Damino. Mais la vraie, elle est vraiment venue. Putain, c'est un truc de ouf. Je sais pas trop, s'il y avait eu Mama Paprika, je l'aurais raid. Bon, Lydia est très cool, Lame est très cool. Origa Twitch, sinon. Charlie Danger, Flonflon, je sais pas. Host Politique, il m'a déjà raid, mais je le connais pas, tu vois. Maudit, sinon. Pourquoi pas Maudit, ouais. Radier, c'était lui qui avait parlé de moi dans une vidéo sur le business Pokémon. Il m'avait mentionné, je crois, dans sa vidéo. En tant que rare streameuse qui fait les choses correctement. Moi, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout, moi, Cast, là. Elle était à l'atelier vert, elle doit faire une pause. Ouais, je sais pas, hein, je sais pas. Moti est en train de jouer à un de mes jeux du cœur. Hein. C'est vrai que Vampire Survivor... Ah bah non, elle a fini. Elle a fini. Et puis la cagnotte, elle est pas actualisée, là. Ah, je sais pas, hein. Bon, écoutez. Je vous laisse sur la... Comme j'hésite trop, là, j'ai pas envie d'y passer 107 ans. Je vous laisse sur la page principale. Il y a des... Il y a pas un planning? Non, il y a pas de planning. Mais en fait, je crois qu'il y a des conférences et des jeux, je crois, toute la soirée. Donc, je vous laisse sur la page principale. N'hésitez pas à faire des dons. Et si vous n'en avez pas les moyens, eh bien, n'en faites pas. Et bah, soutenez au moins l'événement en le regardant et en partageant. Voilà. Allez, slash raid. On est Furax. Je vous laisse avec la team. Donc rendez-vous demain à 13h pour le let's play de la version finale de Children of the Sun. Un jeu extrêmement violent, mais pas forcément trop épileptique. Enfin, vous verrez, c'est très cool. Des bisous, à demain, ciao. Et merci Relic, merci à vous.